Et nous voici pour une toute nouvelle aventure Skyblock Hardcore sur les toutes dernières snapshots de Minecraft. On aura bien sûr le crafter, les trio chambers et les tout nouveaux blocs pour réaliser un maximum de projets. Pour faire le topo très vite fait, j'ai actuellement deux datapacks. Un pour le Skyblock avec toutes les structures de Minecraft Vanilla qui vont se générer dans les airs. Et un autre datapack qui va me permettre d'avoir quelques crafts custom parce que certaines ressources ne seront malheureusement pas obtenables en Skyblock. Bien sûr, mon compteur de jour et les coups comme d'hab. Et on est parti pour le début de l'aventure après une première tentative foireuse. Et là j'ai plus qu'à AFK farm pour les moments. J'ai pas calculé ça, tiens. Je crois que j'ai douillé la survie. Mais ça spawn même ici quoi, je voulais sauter ici. Je crois qu'il est... Oh merde, je noie. Oh, j'ai mort. J'ai mort. Et... Ah bah j'ai mort. Ah il était vénère. Ah fait chier. Il y avait un squelette au-dessus. Run numéro 2, cette fois-ci un arbre classique. Niveau structure, on a à nouveau une triad chamber qui est là-bas, une qui est là-bas. Par contre, elles sont... Ah, quoique, il y en a une ici également. Et là, t'as... C'est un... Ok, c'est des trucs aquatiques là. Ok, là j'ai pas le droit à l'erreur en fait. Parce que j'ai rien autour. Si je me fail, en fait, je recommence. Cette fois-ci, on n'a pas de glace. Ah, le coffre, il change en fonction de là où tu spawns. Nice. Ok, donc cette fois-ci... Par contre, c'est du sable là. J'aime pas le sable. Tac, ok. On va du coup faire une table de craft, des dalles en bois, quelques bâtons, comme ça on n'oublie pas, pioche en bois. Et là pour pas perdre les saplings, on va très vite faire une petite plateforme. Ça serait ballot de les perdre, parce qu'après il n'y en a plus quoi. Est-ce que je peux refaire un tout petit peu, ouais. Après faut que je garde du bois quoi. Ok, parfait. Pour la source. Ah parfait, nickel. Comme ça je peux replanter instant. On va mettre la table de craft là-bas. Sinon elle va gêner. Hop. Idéalement, je vais mettre un bloc ici. Tac. La lave, faudrait la mettre là. Je vais poser un bloc d'opsy limite. Parce que le bois, ça va... Ah, sinon je recule ma source d'eau. Non, attendez. On va faire plus simple. On va faire ça. On pose la lave. J'ai fait cramer un bloc. Ce n'est pas grave. Comme ça, ici, je mets du bois. Et normalement, ça devrait aller. Je vais juste mettre de la lave ici. Et comme ça, moi, je farm à cet endroit. Ok. Tac, tac. Et là, cette fois-ci, je ne vais pas reproduire deux fois la même boulette. De toute façon, là, il n'y a pas moyen de me fail. C'est setup, on n'y touche plus. Parce que là, tout à l'heure, bon, comment dire que j'ai un peu bousillé ma lave par inadvertance. Donc, on va éviter de reproduire la même. Tac, tac. Ok, parfait. Dès que je peux, je forme juste un tout petit peu plus de cobblestone pour faire une pioche en cobble. Regarde, t'as vu, on a... Ça y est, c'est Excaliabis, t'as vu, ça a réouvert. j'ai peut-être juste creusé un petit peu. Hop, parfait, ça sera beaucoup plus simple. Cette fois-ci, on ne fail pas. On ne fail pas et on va directement rush après les trio chamber parce que ça reste quand même une des structures les plus importantes en early game. J'arrête pas de le dire depuis pas mal de vidéos sur la série 1.21. Non, en vrai, il y a une mécanique que je connaissais pas. C'est que apparemment les dalles, en fait, juste transfèrent l'eau normalement. Genre l'eau, elle s'engouffre pas dans les dalles, en fait. Elle passe dessus, même en position basse. Et ça, je ne savais pas. Ah, on a des blocs... On a enfin des blocs. Non, franchement, c'est fort ce qui s'est passé tout à l'heure, quoi. Vraiment, j'étais en mode... Ah, bon, la lave, ça passe pas dans les escaliers, je crois pas. Hein. Non, ça passe pas. Après, en vrai, de vrai, je troll, hein, parce que je peux... Au lieu de faire ça, des sources dans le vide et tout, je peux largement faire un escalier ou une dalle. Et genre, ça serait beaucoup plus simple. Mais bon, tant pis. En fait, je suis habitué à faire comme ça depuis la 1.12, donc bon. Bon, on rush la cale après. En vrai, là-bas... Elle a l'air d'être beaucoup plus proche, je pense. Ouais, non, clairement. On farm, et après on rush la trio chamber. Mais on va attendre que la nuit passe. J'y vais plus en pleine nuit. C'est mort. C'est clairement mort. Ah non, il y a... Oh, ah, les mobs qui spawnent en pleine nuit. Bon, bah, on va relancer notre survie, les gens. J'ai mort. Yes. Ah bah, j'ai mort. J'ai pas de hache encore, là. Attendez. Tac. Ok, on a du bois. On replante un sapling. Et on continue à farmer. On va pouvoir y aller assez rapidement. Juste pas de nuit. Ah, attends, il y a une sapling qui est là. Où est-ce que je plante l'arbre du coup? Je peux pas réellement. Ah, mais attends, mais il a déjà poussé en fait. Je suis en train de capter. Il a poussé super vite lui. Et en plus, c'est pas un petit. Ah, fait chier, il faut que je monte. En vrai de vrai, on va faire un composteur. Tac, les dalles. Hop, compost. Attends, j'ai des crafts là. Ah bah oui. Oui, c'est vrai que j'ai des crafts simplifiés. Genre par exemple, les anciens débris. Tu peux les recrafter après avec de l'opsy. Oh, c'est fun.
C'est un concept. Je voulais faire quoi déjà? Je voulais faire un composteur. Parfait. Comme ça, idéalement... Ah mais non, j'ai pas de fer pour prendre les feuilles. Ah, j'ai oublié. Bah non, bah du coup, ça sert à que dalle. En fait, je peux que mettre les saplings dedans. Mais bah, flemme quoi. On va agrandir l'île tranquille. Bon, idéalement, on vaut mieux agrandir avec de la stone. Mais bon, j'aime bien quand c'est un peu beau. Genre la cobblestone, j'aime pas, c'est moche. Parfait. Comme ça, on récupère toutes les saplings. On va faire un four. Et je vais faire un peu de charbon de bois également. Hop. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas de torche. C'est un peu sombre. Ça, je mets ici. Tac. Je vais mettre un peu de dalle. Et on fait du charbon de bois. Comme ça, j'y verrai juste un peu plus clair. Tac. Comme ça, on s'occupe de setup ça pendant la nuit. Et dès qu'il fait jour, on file dans les trial chambers. Ok, c'est bien. Franchement, la plateforme, elle me carie là. Comment j'obtiens les animaux? Je ferai des plateformes d'herbe. Et ils vont spawner, en fait, naturellement. Charbon de bois, c'est ok. Moi, déjà, je peux faire... Ah oui, j'ai des crafts custom aussi pour les sticks de bûches. Tac. Voilà, regardez. Hop, un peu de lumière. Et voilà, parfait. T'inquiète pas, de toute façon, on va looter les trial chambers. Donc, on aura de quoi faire plein de choses. On va pas s'occuper de tuer des araignées et tout. Franchement, on va looter. Est-ce que j'ai des blocs de dirt encore ou pas? Non, j'en ai pas. Attendez. Permettez. Je vais juste m'occuper de planter 2-3 arbres. Je vais mettre des blocs de dirt. 1, 2, 3. Bon, j'ai une hache. Peut-être que je l'utilise. 1, 2, 3. Ici. Tac, tac. J'ai vu une araignée en bas ou c'est moi? Non, c'est moi. La torche, on la met ici. Et là, éventuellement, je pourrais remettre deux blocs d'herbe. Hop, regardez. Tac, tac. Et comme ça, déjà, l'île va prendre un peu d'ampleur. Hop, parfait. Là, ça va éviter le spawn de mobs. Et on est reparti pour le farm. Hop, on va y aller. Alors, c'est vraiment tout droit. Je peux pas faire plus tout droit que ça. Faut que je prenne ma source d'eau, par contre. Faut que je l'emmène avec moi. Et on va commencer à aller rusher. De toute façon, normalement, je devrais pas arriver là-bas au cours de la nuit. Il n'y aura pas de mobs qui vont spawn. C'est parti. Ok, il commence à faire jour. Ok. Et imaginez, j'ai passé. Non, j'ai assez. Oh, attends, il y a une île. Bonjour. Ça passe à quelques blocs près. Voilà, c'est bon. On a assez. Comme quoi, la nuit de farm n'aura pas été trop. Maintenant, va savoir si je vais mourir ou pas dès mon entrée dans les trial chambers, sans stuff, sans rien. Va falloir que je loot très, très strat. Je pourrais pas loot comme ça en mode YOLO. Ok, je vais mettre la source d'eau là. On a juste des slimes. On n'a pas de mobs, de squelettes, de creepers, tout ce que vous voulez sur le toit. Donc déjà, c'est une très bonne avancée. On va descendre tranquille du coup. Avec la source d'eau. Pas que je descende trop vite parce que la source elle est pas arrivée en bas encore. Ok. Parfait. Là on entend les trio spawners qui s'activent. Donc là, idéalement j'ai dit... Oh attends, il y a des squelettes et tout ici. Faut que j'essaye de clear un spawner, choper une clé et ouvrir éventuellement des trios... Ah les vaults, oui, ça s'appelle les vaults. On va déjà monter comme ça le plus haut possible. Au pire, est-ce que je peux pas voir ce qui se passe derrière là? On va mettre des blocs en seconde main. Ok. Où est-ce qu'elle est la salle là? Ok, elle est ici. Ah, c'est un couloir. Attendez, on va monter. Hop, un peu de lumière. Ok, là t'as une salle. Maintenant, je sais pas où est-ce que... Attendez, on va prendre un peu de hauteur. Là, c'est un vault. Là-bas, t'as un vault. Ok, c'est la salle où t'as un coffre au centre, là. C'est une salle, une salle assez vaste. Je la connais, celle-ci. T'as des escaliers, là, en théorie, qui montent. Ok, c'est exactement celle-là. Faut que je fasse gaffe. Faut pas que je prenne un seul coup. Où est-ce qu'ils sont, les spawners? Ok, ils sont là-bas, les spawners. Il y a un coffre en... Attends, il y a pas de coffre, là? Attends, ils ont retiré le coffre? Non. Oh non. Ils ont retiré le coffre qui était là? Ah non. Ah bah non. Oh non, c'est pas cool ça. Non, c'est vraiment pas cool par contre. Et je fais comment moi? Bah non, il n'y a plus de coffre. Bon, c'était un petit contretemps. Faites pas gaffe. Ok. En fait, tant que j'ai pas de bouclier et tout, c'est trop stressant. Genre, regardez, je prends une flèche et je prends tellement cher. Ils sont où les spawners là? Ok, ils sont pas ici. Il y a moyen que je sois tranquille ici. Ok, je vais prendre les autres blocs de la main. Ok, du teuf, encore du teuf. Beaucoup de teuf. Ah, y a rien. Y a pas de fer et tout. Faut que j'arrive à looter les pots et tout. Ok, on a du fer. Ah, on n'a pas de bois encore. Ah, j'aurais dû prendre du bois, j'aurais dû prendre du bois. Ah, je suis vraiment un boulet. Je peux pas crafter de shield là du coup. Faut que je trouve de la bouffe également. Là, je peux pas. Là-bas, je peux pas y aller. Non, là, c'est mort cette salle. Est-ce que je peux trouver du bois quelque part? Si je descends, c'est la mort. Parce qu'en fait, en bas, y a beaucoup trop de mobs. En fait, en bas, y a full...
spawner, faut que je prenne des risques, j'ai pas le choix. Si je prends pas de risques, j'avance pas. Ok, on va faire la même de l'autre côté, je pense. On a chopé que des émeraudes. Ok, ici c'est le void, faut que j'explore les salles là. Ah, y'a rien, y'a que dalle. Ici je peux pas y aller, y'a un spawner. Si je les proc, je suis mort. Et la bouffe elle commence à descendre. Faut que je trouve une autre salle, les gens. Je peux pas être là. Là c'est un peu fermé. Après, attendez. Ok, enderpearl, hache, teuf, rien d'intéressant. Là y'a un passage. Je sais pas si c'est une salle ça. C'est un couloir, c'est une salle. Ok. Ok, ça me fait une sorte de point de save. Oh, attends, pioche en diamant, ça je prends. Ender Pearl, ça peut toujours servir. Là, il y a des lits. Les lits, ça va servir, comme ça, pour passer la nuit. Ok, j'ai toujours pas de bois. Oh, fait chier, il sort d'où, lui? Après, j'ai pas de truc pour régène, là. Le truc, c'est que je loot rien dans les coffres et tout, c'est trop chiant. On va essayer de la jouer plus strat en minant. J'ai pas le choix, là. J'ai pas vu les zombies arriver. J'ai vraiment pas vu. Ah, il y a une salle là-haut, là. Il y a une salle là-haut. Qu'est-ce donc comme salle? Des brises et des squelettes. Ok. Bah, en fait, les coffres sont nuls. Tout est nul. Il y a rien qui me permet de tenir. Pourquoi j'entends des brises qui me chase encore? Oh, ah, mais non, mais vu qu'il fait nuit, ça spawnait dehors. Je peux même plus passer par l'extérieur. Aïe. Ah, le start pourri. Je vais devoir essayer de looter. Là, c'est un vault là-bas. En fait, je peux toujours pas farmer les spawners tant que j'ai pas de bouclier. En fait, tant que j'ai pas de bouclier, je peux pas jouer. Je m'en fiche d'avoir du stuff, il me faut juste un bouclier. Je vais pas me battre sans stuff, sans bouclier. Il faut au moins un bouclier, sinon il y a pas de fight. Pas de bouclier, pas de fight, les gens. Vraiment. Je fais tout ce que vous voulez avec un bouclier. Mais faut un bouclier. Faut que je réfléchisse à un plan, là. Ok, je vais devoir explorer comme ça. Non, mais là, je peux pas. Non, il y a des squelettes dehors. Ils m'attendent de partout. Peu importe où je mine, en fait, il y a des mobs qui m'attendent. Comment est-ce que je vais gérer ça? Comment est-ce que je vais gérer ça? Ici, est-ce qu'il y a des... Il y a un brise là-bas. Je vais essayer cette salle, à la limite. Faut que je chope un coffre en sneaky. J'arrive même pas à avoir de coffre, en fait. C'est ça, le problème. Ok, ça, c'est les vaults. Oh, purée. Ah, fait chier! En fait, dans les coffres, j'ai pas eu de bouffe. J'ai pas eu de bois. J'ai rien eu, en fait. J'aurais dû prendre du bois aussi, je suis un boulet. Parce que d'habitude, dans les pots, t'as des patates, t'as des trucs comme ça, tu vois. Mais là, t'as que dalle. Et surtout que là, ils ont totalement retiré les coffres pour mettre un vault à la place. Là, j'ai looté tout ça, j'ai looté tout le rez-de-chaussée. Pas de bouffe. Vraiment, je n'ai pas eu de luck, en fait. Ils sont tous sur le toit, en fait. Je peux pas dormir. Il y a des mobs en bas parce qu'il y a des spawners que j'ai pas clear. Je peux même pas dormir, en fait. Hop. Et là-bas, je suis même pas sûr d'avoir des coffres, en fait. Ok, c'est des strays. C'est des strays, c'est bon. Bah, de toute façon, à mon avis, elle est morte, la run. Hein. Elle est morte, la run. Elle est morte, la run. J'ai restart une fois déjà, ouais. Ah, elle est morte. C'est chaud de pas trouver de bouffe, en fait, sur tout ça, quoi. C'est con, j'avais trouvé une pioche en diamant, quoi. Mais bon, j'ai juste une pioche en diamant, quoi. C'est bien le problème. Si je sors là, il y a des squelettes qui vont me sniper. Ici, je vois pas ce qui se passe. En fait, je suis tellement bloqué. Enfin, ok. D'ailleurs, regarde. Il y a un squelette qui m'attend. Je pointe mon nez dehors. Il y a un squelette qui m'attend. Non, je peux pas. Regardez. Là, il y a un squelette. Là, je me pointe ici. Il y a un squelette. Je peux pas. Il y a aucun moyen que je survive. C'est pas le but. Bah, oh, voilà. Il y a des zombies, mais. Brise qui me fait chier là. Bah oui, c'est vrai, il ouvre les portes. J'avais oublié, tiens. On va recommencer. À part si j'arrive à miner jusqu'à une salle pour trouver un coffre. Alors, il fait jour. Il fait jour, mais à tous les coups. Ok, il y a un monde où... Tu m'agresses pas, toi. Mais agresse-moi, bordel. Oula. En plus, j'ai réussi à me prendre un coup d'araignée, quoi. Ouais, il y a de la chair de zombies, super. Il n'y en a que deux. Je vais peut-être aller là-bas. Ok. Là, c'est full araignée, mais je vois pas où est-ce qu'il y a un coffre. En fait, le problème, c'est que c'est full vault maintenant, quoi. Il y a plus de coffres. Ils ont retiré tous les coffres. En fait, ils nous obligent à fighter les spawners pour looter. Et ça a changé, en fait, depuis la dernière snapshot. Là, c'est des coffres ici, normalement. Maintenant, c'est des vaults. Ah, c'est plus aussi simple qu'avant, en fait. C'est pour ça que je galère, en fait. Il y a plus de coffres. Il y a plus de coffres, en fait. Ben non. Non, ils ont remplacé tous les coffres par des vaults. C'est des fumiers. Après, quelque part, c'est bien parce que tu rentrais, tu chopais des pommes de notch et des. Et tout. Et maintenant, t'es obligé de... Non, je vais pas changer de snapshot. C'est le but du jeu. Ah, les fumiers. Ah, non. Regarde, c'est que des vaults. C'est que des vaults. Tout est verrouillé maintenant. Ah, faut vraiment que je rentre à la base. Vas-y, je vais rentrer à la base. Hein. Vas-y, hein. On va pas forcer. Hein. On va essayer de se faire à bouffer. Hein. On va essayer de se faire à bouffer. Donc, en fait, là, j'ai dû faire. Je rentre à la base. Je régène. Je craft un bouclier, je reviens, je fight les spawners, je loot des triolkies et c'est ok. Et les triolkies, après, j'active les vaults. Alors, ici, c'est vrai que j'ai canne à sucre, j'ai des glowberries.
Ça, à la limite, ça peut faire de la bouffe. Je vais faire un plan en hauteur. On va faire un plan en hauteur. Tac. On va éviter de prendre des dégâts de chute. Bon, ça serait un peu ballot de crever comme ça, quoi. Ça, ça va pousser tranquillement. Ça fera un peu de bouffe à la limite. Ok. Ok, ok. Bon, je suis low. Non, non, c'est qu'une impression, t'inquiète. C'est qu'une impression. Hop, hop, hop. Après, j'ai des os un petit peu au pire. Hein. J'en ai un petit peu. On va refaire un petit coffre. On va vite fait déposer le loot. J'ai Bane of Arthropod. Ah bah tiens, hey, pour chasser les araignées. C'est parfait ça. Ok, j'ai une pomme. On va faire ça, ça, ça. On va faire un composteur. Tac. Ensuite, on va faire full feuille. On va mettre au composteur. Ça ferait de la bonne mille. Et comme ça, limite, on fait un petit champ. On fait un petit champ de blé ou un truc comme ça là. Tac. On agrandit l'île. On se fait un bouclier également avec le fer. Très important. Tac. Attends, what? Tu te fous de moi là? Attends, j'ai bugué sur le craft du bouclier ou... Waouh, 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 waouh. Attends, j'ai bugué ou... Pourquoi j'ai pas de bouclier? Il est pas retiré quand même. Attends, je vais checker les crafts, mais... Attends. Je l'ai pas encore débloqué. Ah non, attends, faut pas débloquer les crafts pour crafter. Les crafts, ils sont tous débloqués par défaut. Enfin, normalement. Oui, il y a aussi des pommes de notch qu'on peut crafter éventuellement. Attends, mais c'est quoi ce bail? C'est la meilleure, ça, tiens. C'est la meilleure. Eh ben, on est frais, hein. On est frais, les gens. Il y a pas de bouclier. Faut que je fasse un toit. Faut que je fasse un toit, sinon je vais me faire agresser par les fantômes. Oh non, j'ai dormi. Enfin, il me semble. J'ai laissé mon... Ah non, mon lit, il est où? Il est là. Il y a des crafts custom. Il y a des crafts custom. C'est pour ça qu'il y a la pomme de notch. Ils l'ont pas remis officiellement. On va juste agrandir un petit peu l'île. On va rester un peu farmé. Ok. Limite, on peut presque tenter d'aller jusqu'à l'arbre de la jungle, choper du cacao et faire des cookies avec du blé. Je vais prendre la dirt qui traîne en dessous. Je vais prendre juste un peu de cobblestone. J'en ai pas dans les coffres qui traînent. Ouais, si, c'est bon. Tac. Après, j'ai vraiment pas beaucoup de dirt sur cette île. Hein. C'est vraiment très, très limité, quoi. C'est très, très, très limité. Bonne mille. Là, j'ai des os. Avec ça, normalement, je peux en faire un petit peu. Le composteur. J'avais pas crafté mon composteur, moi? Non, pas encore. Le composteur, ici, on va essayer de faire un peu de bonne mille. Toujours. On n'a rien vu. Attends, mais attends, c'est quoi le composteur, là? Il te jette la bonne mine. Là, ça va tout droit vers le haut. Pourquoi ça l'a jeté à 3 blocs à côté, là? C'est quoi ce bail? Regarde, là, ça va pas vers le haut. Hein? Pourquoi ça l'a propulsé à 3 blocs à côté, là? On en parle? Ah ouais, le jeu, il me troll en plus, quoi. Non, tu l'as ramassé. Oh non, je l'ai pas ramassé. Oh non, je l'ai bien vu partir. Hein. T'inquiète pas que lui, il a rejoint le void. Hein. Hop. Ok, je vais agrandir un petit peu la plateforme encore. On va essayer de fermer plein de bois. On va laisser les pousses des pommes après un petit peu. Le but, ça va être de faire des pommes. J'ai pas le choix. Mon île, elle crame depuis tout à l'heure. Ok. Faut que je mette autre chose là. Parce qu'en fait, t'as de la lave. Et je crois que la lave, ça aime pas trop là. Elle est. En fait, la lave est là. Bon. Vas-y, on agrandit l'île. Bon, avec du bois, c'est pas le meilleur truc, mais tranquille. À la limite, je vais garder du coup. Je vais fermer un petit peu. Là, je peux faire des dalles. Ouais, allez hop. Ça part. Un bon contour en théorie. En stone. Il n'y a pas de raison qu'elle crame. En théorie. Tac, tant pis si je ramasse pas. Tant pis. Si je fais un bon contour comme ça, en théorie, le feu, il devrait pas pouvoir se propager. Et je suis tranquille. Nickel. Là, ça pousse. Pas. À la limite, j'hésite à faire des bordures pour pas tomber au cas où. On sait jamais. Hein. Ça peut très très vite arriver. Tac. Le but de base, c'était peut-être d'agrandir mon île. Hop. On s'est vraiment rafistolage hein, pour l'instant. Je suis pas serein. Ok, on a un peu de bois. Par contre, je peux pas faire de bouclier. Hein. C'est quoi ce bail là? Y a pas de craft de bouclier? Après, en théorie, normalement, il y a des boucliers dans les trail chambers, mais vas-y quoi. J'aimerais bien y aller avec un bouclier. Ça serait cool. Je peux faire des soupes de champis, oui aussi je peux. En vrai, les champis, je vais pas m'en servir. Je pense que je vais faire des soupes. On va les faire maintenant. Hop. Allez, soupe de champis. Ça part. Si je peux les faire. Ok, je peux les faire. Au moins un truc que je peux faire quoi. Allez, vas-y, on va tenter de régénérer un petit peu. Hop. Ah, en vrai, ça nourrit pas mal quand même. Hein. Ça nourrit pas mal. Ça va, t'inquiète. J'ai un cœur et demi depuis une heure, mais tout va bien. Ok, il y a une pomme. Ok, je peux remettre une pousse d'arbre. On va mettre du bois. Ok, là, je peux même en remettre 3 si je veux. Bon, au moins, on a régénéré nos cœurs. Au moins. C'est déjà pas mal. C'est un bon début. Ender Pearl, ça peut toujours servir. On a chopé un peu de lapis. En vrai, avec les briques, normalement, je peux faire... Ah, et regardez, je peux faire des poteries. Et normalement, avec les poteries, je peux même stocker. Regardez. Hop, bam. Je fais comment pour retirer la pomme maintenant? La pomme. Ah, c'est bon. Je pose des pots partout.
Ouais, faut casser à chaque fois, c'est un peu genre les économies, tu vois. Attends, faut casser à chaque fois, y a pas le choix. Tu peux pas, genre, clic droit. Toc, 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 toc. Y'a quelqu'un? Ah non, faut péter le pot, y a pas le choix. Des pots. Des pots. Ça fait partie des derniers ajouts de Minecraft. En vrai, on a la bouffe. Je vais refaire un peu de bonne mille sauteuse. Vu qu'apparemment, la bonne mille, ça, bah, ça saute, quoi. C'est normal. Hop. Après, j'ai pas la blinde de... J'ai pas la blinde d'herbe, donc en fait... Soit j'essaye de bridge jusqu'à une île et je chope de la dirt. Pff, en vrai, de vrai, je me dis, là-bas, l'île, elle est intéressante là-bas. C'est quoi là-bas? Mangrove. Là-bas, t'as neige, t'as sapin, là, t'as bouleau. Là-bas, t'as jungle. Je pense qu'en vrai, jungle, elle est vraiment intéressante, l'île. Après, là-bas, t'as... Ah, il y a un peu de terre là-bas. Attendez, prends la terre de la savane, c'est le biome le moins intéressant. Oh, tranquille, t'as les champis, là, t'as le mycélium. On va prendre la terre du biome mycélium. En vrai, ça en fait la distance quand même. Hein. Par contre, ça me perturbe qu'on puisse pas choper des... Enfin, qu'on puisse pas crafter un bouclier. Je suis un peu déçu. Ok, on a un peu de terre au moins. C'est bien, c'est bien. Est-ce que c'est... Ok, je peux faire ça limite. Et là, je mine à partir d'ici. Et avec ça, en théorie, on va pouvoir faire un petit champ de blé. Merde. Ah, j'ai pas ma source d'eau. Dégage. Oust. Et moi, ce que je note, c'est que je peux toujours pas faire de bouclier, quoi. C'est vraiment ça le problème. Bah écoutez, j'ai envie de dire, on va retourner dans les trial chambers. Attends, est-ce que j'ai débloqué des crafts avec ça? Des paratonnerres. Mais rien de spécial. Rien de spécial. Prévois de la bouffe. Idéalement, faudrait que ça pousse. Comme ça, je peux le faire. Ah oui, tant que j'ai de la bonne mille, on va faire un truc. On va mettre une source d'eau ici. Bonne mille, ok. Comme ça, je peux péter ça. Et ici, ou quelque part, on va faire une source d'eau infinie. J'ai pas d'autres blocs. Bon, au pire, j'ai plein de bois, c'est pas un problème. Tac, source d'eau infinie, c'est parti. Tac, 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 tac. Ok, là, je prends la source qui est là. Et c'est bon, je l'ai dupliqué. J'ai ma source d'eau infinie. Ça, déjà, c'est fait. J'ai même de l'eau ici, carrément. Bon, pas besoin. Au moins, je ne vais plus manquer d'eau. Et tant que ça pousse, on va juste s'occuper d'agrandir l'île. Comme ça, au moins, on sera un peu plus tranquille. Bon, pour l'instant, comme j'ai dit, on recherche pas l'esthétisme. Et en vrai de vrai, si je fais un champ avec la seule dirt que j'ai... la dirt, elle est où? Elle est dans la seconde main. On va tenter de faire une petite plateforme à côté. Genre là. Attends, au bout. Ici. Allez, on fait un petit champ. Tac, tac. Je vais essayer de faire un truc assez circulaire, je pense. Il y a une araignée qui a spawn ici. On va faire... Limite, j'ai envie de dire, on fait une porte. Ouais, flemme. Putain, mais le... Oh, waouh, le nombre de mobs. Je viens de capter. Faut pas que je me fasse shooter par les squelettes, là. Pourquoi les arbres, ils poussent pas, là? Les arbres. Parce que là, j'ai pas de pommes, du coup. Après, est-ce que je peux essayer de choper un arc avec le squelette ou... On va essayer de l'amener avec nous. Bon, j'ai bien dit, on va essayer. Bonjour, je suis là. Attaque-moi. Attaque-moi! Oh! Ah, voilà. J'ai pas de shield. Oh, comment t'es monté là, toi? Ok. Waouh, les flèches, elles font mal. Ah. Oh, les flèches, elles font mal. L'araignée aussi vient ici. Pour des ficelles limite. Ah mais sauf qu'elle va pas attaquer là. Oh mais j'ai pas envie qu'elle... Ah j'ai pas eu d'arc, c'est dommage. En vrai spider pour les cannes à pêche c'est pas con. Viens, viens. Aïe. Bah oui du coup j'ai qu'une ficelle. Et j'ai qu'une ficelle. Hop. Bon. Bah au moins on la dépose. Mais malheureusement ça ne fera pas de cannes à pêche. Plus qu'une. Ouais, plus qu'une. Après là, tu vois, hop, je peux aussi former des glowberries comme ça, peu à peu. Ça fait une petite source de bouffe AFK quoi. Vraiment. Petite source, c'est pas un truc de fou. Après, idéalement, quand on a beaucoup, c'est beaucoup mieux, quoi. Et là, pour l'instant, pas ouf. Est-ce que je peux... Je sais pas si je peux monter comme ça. Oh, ça fera le taf. J'aime de monter. Et comme ça, on pourra pêcher des morues. Ouais. Comme ça, on pourra pêcher des morues. Je n'ai toujours pas bonne mille. Là, j'ai pas mis la source d'eau. Hop, nickel. On va essayer de safe un petit peu quand même. J'ai pas envie de tomber dans le vide. Ok, ok. On est pas mal. Ensuite, je vais faire une petite labourée et tout. Et on va commencer à faire des champs. Idéalement, bah, coup de bonne mille sur la dirt. Histoire d'avoir des graines. Tac. Nickel, et toi, le loup. La bonne mille. La bonne mille. Allez, c'est parti. Faut que ça soit... Oui, faut que ça soit de l'herbe. Ah, j'avais zappé ça. Oh, ah, j'avais zappé. J'ai de l'herbe encore ou pas là? Ah, j'ai pas d'herbe. Oh, faut que j'aille là-bas. Faut que j'aille là-bas. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. On va bridge. Par contre, mes arbres, ils poussent plus depuis un petit bout de temps là. Je sais pas ce qui se passe. Mais ils veulent plus, hein. C'est un peu triste. Tac, les dalles. C'est parti. Toujours stressant ce moment là de bridge un petit peu. C'est toujours un peu stressant. Tu te dis que là sur un fail en fait, sur un tout petit fail, tu peux en fait bah tout perdre quoi. Et ça peut aller très vite. Non, j'aurais pas assez. Je pense qu'à mon avis, t'as au moins 3 stacks pour atteindre les îles. Hop. En vrai, l'île va vite arriver, je pense. Mais j'aurai pas 7 blocs.
Allez, on rentre. On rentre, on essaye de former un peu de blocs. Et par contre, ouais, les arbres, ils veulent pas pousser, hein. C'est un truc de fou, hein. On va former un peu de cobble. C'est quoi? Attendez, les gens, je vais me faire un café, ok. On va mettre... on va faire la meilleure strat d'AFK Farm de joueurs d'Excalia. Hop, on va débrancher la souris. Alors... c'est bien. Ah, nickel. Attendez, je m'étire un petit peu. Hop, pause café. Les arbres ont vraiment du mal à pousser. Je ne comprends pas. Il va faire nuit, mais normalement, j'ai plein de cobblestone. Attends, tu vas me dire que là, depuis tout à l'heure, j'ai farmé que deux stacks. Mais c'est tout? C'est nul. Par contre, faut vraiment que je fasse des bridges en position basse. Après, en vrai, pour le forme de ficelle et de squelette, c'est bien aussi, non? Ah, c'est bon! On a l'île. Je vais juste sécuriser un petit peu. On a du cacao et tout. En vrai, si je me débrouille bien, on fait une ferme à cacao. Comme ça, après, on a plein de blé. On a des pastèques. Là, je pense qu'avec ça, je peux faire une bonne farm. Comme ça, je fais des cookies, je fais tout ce qu'il faut, j'aurai pas mal de bouffe, je vais être bien. Faire ma cacao, qu'est-ce qu'on aime bien faire ça? J'adore, je kiffe. Allez, c'est parti, on mine ça. Oui, regardez, je vais prendre ça. Et normalement, si je casse des lianes... Si je casse des lianes, de l'herbe... Regardez. Là, je peux faire un bloc de mousse. Voilà, nickel. Et le bloc de mousse va débloquer d'autres crafts, genre de la cobble moussu et tout. Je peux faire aussi des blocs d'herbe, ça c'est ultra intéressant. Et je vais le faire maintenant, comme ça je pourrais faire de l'herbe là-bas. Le creeper, tu viens pas ici s'il te plaît, merci. On va juste mettre un petit barrage pour l'instant. Ça c'est trop bien ça, c'est vraiment trop bien. Bloc de mousse, et j'avais dit quoi déjà? Et bloc d'herbe, ah mais j'ai plus de blocs de terre, bon pas grave. On va prendre de la dirt, toujours important la dirt. Ah, je n'ai plus de place, ok. Tac, on va refaire des blocs de grâce, toujours utile. Et on va garder un peu d'herbe éventuellement. Bah j'ai plus d'herbe, bon c'est pas grave, j'ai de la bonne mille. Par contre j'ai qu'une pousse, en vrai j'aimerais bien en prendre 4 si possible. Je vais peut-être essayer de... Regardez, je pense que je vais faire des dalles. On va essayer de faire des pop tout l'arbre. Comme ça je récupère les pousses et on revient plus ici. L'arbre, ok, vas-y. Petite plateforme, comme ça, on va faire des pop les feuilles, un peu par ici, genre 2 blocs. Le creeper, il est là encore? Ouais. De toute façon, là, à mon avis, je devrais attendre la nuit, je pense, non? Ok, j'ai 2 pouces, ça va des pop, on va attendre un petit peu, j'en ai une troisième, parfait. J'ai des bâtons qui tombent à côté, c'est pas très grave. Je crois que j'ai une dernière pousse qui traîne là-haut, là. Bonjour, comment ça va? Coucou les morues. Coucou les morues. On va juste prendre les blocs de terre, là. Est-ce que je peux miner ici ou pas? Ouais, c'est bon. Nickel. Histoire de tout prendre. Vraiment, vraiment tout prendre parce que je suis un rat. Non! Ah non! Ça veut pas. Tant pis, tant pis. On rebouche. Attendez, j'ai une strat. Regardez la strat de fou. Attention, hop, qu'est-ce que je fous moi là? Faut que je révise mon Minecraft, là ça va pas. Hop. Oh, wow. Pourquoi il est pas tombé? Là tu tombes, là c'est bon. Je suis là, bonjour. Mais monsieur Creeper, on va parler. Il y a un problème dans la matrice. Normalement, quand tu marches sur une trappe fermée, enfin ouverte, tu es censé tomber. Oui, tu acquiesces, ok. Tu es censé tomber, ok. Tu es pas censé te mettre dessus et attendre. Regarde, il me dit oui. Oui. Tu es censé tomber. Donc maintenant, tu tombes. Tu me fais le plaisir de tomber, s'il te plaît. Non, non, pas non. Tu tombes. Pourquoi il me dit non, maintenant? Allez, ciao.